maintenant que la partie commence. Salut à toi, ami collectionneur. Bienvenue dans l'atelier de TTF Larson. Donc, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? C'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Cobra, voilà. The Space Adventure Pirate Cobra de chez Orca Toys. Voilà. Donc, je l'avais ouvert. Donc, on va voir la figurine ensemble. Qu'est-ce que ça va être, mon avis? Donc, évidemment. Donc, il va falloir regarder sur une autre vision. Donc, du coup, en avant pour Cobra. C'est l'univers zéro, mais votre roi est là, et votre roi c'est Cobra. Non, il faut arriver à l'heure au bureau. Je le sais bien. Ouais, tous les jours c'est pareil. Il faut se lever tôt, aller travailler jusqu'au soir dans ce bureau. J'enlève vraiment assez. Hé, hey, attends. Mais regarde, mais c'est dimanche. Mais oui, je ne rêve pas. Regarde, c'est écrit là. Non? Et tu oses me réveiller un dimanche? Et donc, nous voilà avec la façade de la boîte. Donc, on va présenter tout ça. Donc, évidemment, Cobra, The Space, Pirate. Voilà, c'est du 1/6. Voilà. Petite illustration. On montre bien ici. Là, il n'y a rien. Donc, maintenant, on a la boîte. Alors, comme j'ai déjà ouvert la figurine, donc, j'ai déjà mis en boîte. Donc, du coup, on va pousser la boîte. Et voilà Cobra. Donc du coup, on va se rapprocher. Donc nous voilà avec de plus près. Comme on peut le constater évidemment, je sais tout ce que ça va mettre en commentaire. Mais c'est pas lui, c'est pas Cobra. Je ne peux pas vous contredire, puisque je suis du même avis que vous, effectivement, le visage n'est pas celui de l'animé. Quand on le voit, ce visage, j'ai envie de dire qu'il est un peu comme si ils ont voulu faire Jean-Paul Belmondo. Voilà. J'ai l'impression que c'est ce qu'on ressent. Alors, comme on peut voir, on a l'impression que son cigare est allumé, mais c'est un effet optique, on va dire, au niveau de la lumière, qui est bien joué par contre Orca Toys. C'est que voilà, on a l'impression qu'il est animé, mais en fait non, c'est une peinture un peu fluorescente et lumineuse. Il n'y a pas d'éclairage. Donc il y a deux cigares. Il y a un cigare qui est normal, non allumé, et celui-là comme la boîte qu'on a pu voir. Et on a une version, voilà, comme s'il était allumé. Alors j'ai mis cette version là parce que je trouve que c'est plus réel. Voilà, à mon sens. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça. Alors quand on regarde, voilà, on voit que le dégradé, hein, c'est bien fait, hein, même au niveau de son rayon delta. Voilà, on a un joli bleu. Hop, on va montrer. Voilà, vous voyez les yeux. Ça fait un effet bleu clair. Alors ça dépend, voilà, comment on le met. Donc on voit qu'il y a, par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un dégradé au niveau des yeux. Voilà, ce qui est un peu bizarre. Voilà, quand on le voit comme ceci. Alors est-ce qu'il faut le mettre comme cela? Voilà, peut-être. Voilà ce que Orca Toys nous a fait. Il y a dégradé au niveau des cheveux. Voilà, donc il y a beaucoup de dégradé. Peut-être les doigts, j'ai envie de dire qu'ils ont fait un peu, peut-être un peu long. Voilà. Donc voilà, en gros, la Orca Toys de Cobra.
bien que bon, évidemment, on est plus attaché à la version animation. D'autant plus que je pense qu'ils auraient pu y arriver. Quand on voit qu'ils arrivent à reproduire les personnages féminins en version animée, tels qu'on les voit dans l'animation, pourquoi certains hommes d'animé masculin, ils n'arrivent pas à les reproduire? Ça, c'est une question que je pense que beaucoup d'entre vous, nous, on se pose. Quand on voit souvent des prototypes comme les Miklos, le Bandai fait des visages bien faits des prototypes, et quand la figurine finale sort, le visage n'est plus le même que la prototype. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps alors que le visage a été fait en 3D, moulé? Donc voilà, ça c'est une très très bonne question. Donc évidemment, c'est vrai que bon, je suis un peu déçu parce que voilà, c'est pas celui de l'animé. Bien que, hop, voilà, la pose est, bon, est bien travaillée, il est en mouvement. Mais c'est vrai que bon, ben, le visage, c'est pas tout à fait fait lui. Les cheveux, peut-être aussi les cheveux. Les cheveux qui me dérangent, je pense qu'ils se sont aussi un petit peu loupés au niveau de l'avant. Donc, bon. Après, on a le socle, hein, voilà, le socle qui est en effet de sol, voilà, avec un petit câblage électrique, donc dégradé, voilà. Donc ça, c'est assez bien travaillé, voilà. Mais voilà, c'est vrai que malheureusement, voilà, quand tu le vois comme ceci, si tu la mets de loin, ça, voilà, ça fera son petit expo de loin. Là, tu dis bon, voilà, j'ai une de Cobra. Mais c'est vrai que bon, un visage plus proche du personnage animé, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, c'était une réédition. Vous savez à quoi vous attendre. Comme je l'ai dit, moi, il a fallu que je la prenne parce que de loin, t'as des photos. Ça, c'est le problème de certains constructeurs. Ouais, ils te prennent très très loin. On n'a pas de photos souvent de près. Ou alors, selon celui qui vend la figurine, choisit quelques photos. Et donc, forcément, bah, il te met le global de la figurine et tu vois pas l'essentiel. Et quand tu la reçois, bah, tu dis merde, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette statuette. Donc du coup, on va passer aux photos, à la conclusion, après les photos, et puis voilà. La voilà, ma vraie vie. Une vie d'aventure, vécue intensément, avec ses dangers, ses joies et ses plaisirs. Invincible. Et cette invincibilité, je la dois à mon rayon delta installé dans mon bras gauche. Senaka ni matoitsuku kaneri wa otoko toyu. Et donc on se retrouve pour la conclusion de la figurine de Cobra de chez Orca Toys. Donc effectivement, vous avez pu voir la figurine de près, les photos. Le visage n'est pas celui du Cobra qu'on connaît de l'animé. J'en suis moi-même le premier de votre avis et un peu déçu. Alors il faut savoir, quand donc ça c'est la réédition, donc, comme je l'ai dit. Pourquoi je l'ai prise? Ben, tout simplement, c'est que Orca Toys, quand ils ont fait les photos du prototype, ils ont fait des photos de loin. Ils n'ont pas fait des photos, comme on peut voir sur la boîte, de très près. Donc, il était difficile pour moi de juger en fait le visage de cette statuette
Sachant qu'aucun constructeur à ce jour n'a réussi à reproduire le visage de l'animé de Cobra, hein, et ils font toujours des visages aléatoires. On a un bel exemple avec les statuettes d'hiver de Nicky Larson. Hein. Bon, il y en a qui disent oui, Ryo Saiba, mais pour moi, ça restera Nicky Larson, parce que son nom restera le plus emblématique, et ce qui lui va tout à fait bien. Que ce soit Bandai ou les autres constructeurs, j'ai même la Kotobukiya. Ils ont fait un Nicky Larson à celui du film de Private Ace, donc plus vieilli, mais ils n'ont pas su reproduire celui qu'on attendait. Peut-être Oniri Collection, je crois, avait fait la résine, mais j'ai pas pu la prendre parce qu'à un moment donné, avec cette histoire de Covid et tout ça, j'ai pas pu la payer. Mais ce que j'ai remarqué au niveau masculin, ils ont du mal, pourtant c'est travailler avec l'ordinateur, le 3D et tout ça, mais ils n'arrivent pas à reproduire le design, le chara-design qu'on veut original. Pourtant, avec l'informatique, c'est censé être simple. Si je rescanne les dessins d'époque, il devrait être capable avec les moulages 3D de le reproduire. Pourquoi il n'y arrive pas? Nous, c'est ça qu'on veut. On veut les personnages qu'on a connus dans le temps. On ne veut pas des imitations comme ça ou des trucs proches. Soit tu fais celui qu'on attend, ou alors tu ne produis pas, ou là, dans ces cas-là, tu marques. Nous avons pris la licence de Cobra Space Adventure Pirate. Mais, merci les amis, en voulant faire un design différent de celui d'époque. Là, ils auraient dû marquer ça, et là, tu t'attendais à te dire « Ah, ils ont voulu faire un design différent de celui qu'on a connu, voyons voir. » Mais ne dites pas que vous avez la licence et que vous voulez reproduire le personnage fidèle, alors que c'est faux, que ce soit tout constructeur confondu, je précise. Alors, autant les constructeurs font la plupart du bon travail, mais il y a des fois, tu ne comprends pas le personnage. Il se chie totalement. On a eu un exemple avec Aniplex, Asuna, Anastasia. Pourtant, Aniplex est connu pour faire de l'excellent travail. Mais cette Asuna, pour moi, le visage était raté. Autant le reste, oui. Mais souvent, je ne sais pas. Soit ils veulent aller trop vite, je pense, et ils ne consultent pas. Dans ces cas-là, mettez des plans sur Internet en disant « Est-ce que ce visage vous convient ?» avant de lancer la production. Si les fans disent « Ben non, on n'aime pas ce visage », alors vous le dégagez, vous faites un autre. Mais ça, je ne comprends pas les constructeurs. Donc, même des socles bâclés. Donc, pour moi, c'est vrai que, bon, c'est ma première figurine de Cobra. Bon, voilà, je le prends parce que j'avais pas de figurine de Cobra. Et c'est sûr que c'est un personnage, ce mec-là, il te fait délirer. Donc, quand tu regardes Cobra, c'est un très bon personnage. Mais déçu évidemment, comme vous tous, du visage qui n'est pas fidèle à celui que je connais dans le temps. Hein, le Cobra qu'on connaît, marrant, séducteur. Alors autant voilà, ils ont fait les poses et tout ça, bien travaillé, les dégradés, ça, Kratos maîtrise assez bien, mais ils sont loupés. Alors il y a une autre couleur qui existe en version violette, je ne sais pas si c'est la couleur manga ou pas. Donc il existe en version violette. Il y a une troisième réédition qui lance. Voilà, je vais vous tuer les amis, je vous jure, je vais vous tuer. Donc il y a une troisième réédition. Donc à la base, c'était une figurine à 80€. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais pu dire moi sur la Orcatoys de Cobra. Bah, c'est vrai, comme vous tous, j'accroche pas trop le visage. Alors selon l'angle qu'on met la figurine, ça peut passer comme la Asuna. Voilà, il faut arriver à jouer avec au niveau de la pose, hein, selon... tu vas la mettre, voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur mon avis sur la Orcatoys de Cobra. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour peut-être, je sais pas, peut-être une Saber ou peut-être une Sword Art Online Alice. Peut-être une des deux. Ciao.